Shalom église du Seigneur, Shalom épouse de Christ. Que le Seigneur Dieu tout-puissant vous bénisse richement. Vous qui êtes fidèles, vous qui êtes toujours scotiers, en train de suivre avec attention les paroles de la prophétie développée par euh, votre bien-aimé, que me voici, le docteur King Fortuné Tidiba de White Eagle Tabernacle. Je reviens effectivement pour euh, la suite du sujet que nous avions abordé la fois dernière, qui est bien sûr euh, un autre Éphésien, qui s'inscrit dans l'ordre du concept très tapageux, très perturbant, du concept très litigeux, celui de l'après-Branham. Et la fois dernière, nous avions développé comment euh, ce concept sur un autre Éphésien a été une falsification de la part du prédicateur, une usurpation euh, de position, parce qu'ils ont voulu montrer qu'après Frère Vanam, le Moïse qui partait, et qu'eux ils étaient des Josué qui devaient placer, le, le, introduire le peuple dans le, le pays promis. Et comprenez-moi précisément parce que, voyez-vous, j'ai plus une démarche prophétique qu'une démarche doctrinale. Je crois qu'ailleurs, Frère Frabana me dit que euh, Dieu a besoin des de Caleb et des Josué. Ça n'a rien à voir avec le concept d'un autre Éphésien. Et nous avons montré que dans ce, ce, ce concept prophétique ou dans cette démarche prophétique, Moïse symbolise ou typifie bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Et que Josué, qui est le conducteur du temps de la fin, est bien sûr William Marion Branham. La preuve, c'est que ce conducteur du temps de la fin, qui doit introduire le peuple dans la terre promise, devait lui-même, au préalable, visiter ce pays promis. Et celui qui est allé, qui a fait l'expérience au-delà du rideau du temps, c'est bien sûr William Marion Branham. Et de, par la grâce du Seigneur que, que Dieu m'a accordé, je reconnais en William Branham. Le Josué du temps de la fin qui a eu cette grâce d'introduire un autre Éphèse, un autre Éphésien, un, autre, un nouveau sacerdoce, un placement authentique dans ce troisième exode. C'est la raison pour laquelle j'avais fait un briefing que nous reviendrons effectivement dans la suite des émissions, toujours sur ce sujet, pour traiter la question du ministère. Parce que c'est l'œuvre du ministère est développée bien sûr à travers les développements de, de Saint Paul dans l'Épître ou selon Éphésiens chapitre 4. Et nous rentrerons dans les détails comment dans le nouveau sacerdoce, comment dans le, le nouveau Éphésien, comment William Branham a positionné cela et pour que la confusion qui règne aujourd'hui parmi les croyants puisse être dissipée. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, mais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous dans la mesure où la Bible dit « étant monté en haut » Il a fait des dons aux hommes. Donc, euh, ces donations que Dieu a données dans l'Église, ce sont ces ministères qui doivent œuvrer pour édifier et dans le but de perfectionner les saints. Donc, c'est Dieu qui donne. Et Dieu, quand il donne, la Bible dit qu'il ne se répond pas de ses dons. Et la vraie traduction, c'est que les dons de Dieu sont irrévocables. Bon, je ne sais pas depuis quand Dieu... N'a plus fait de dons à l'église. C'est catastrophique. Voilà pourquoi il faut un enseignement de base. Et quand un peuple n'a plus d'enseignants, comme j'avais parlé la fois dernière, l'absence d'un maître, ça produit la, la, la dispersion. Et surtout dans notre pays, le Congo, il y a vraiment un problème très, 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 très difficile c'est le manque, l'absence des enseignants. Raison pour laquelle nous allons plus laisser la jeunesse aller seule. Nous allons plus laisser cette jeunesse vaciller ça et là. Je pense que l'heure de prendre des positions afin d'aider les gens est arrivée. Parce que s'il n'y a pas une canalisation, s'il n'y a pas un coating, s'il n'y a pas un enseignement, et ce que nous voyons là, ce sera la catastrophe. Voilà pourquoi je crois que j'ai pris le temps de vous montrer comment les cycles de revêt et de mort se font. Et s'il n'y a pas... Un relevement, ça sera la catastrophe. Alors, à présent, pour faire suite à ce que nous avions développé la fois dernière, je vais traiter sur la structure prophétique d'un autre Éphésien, parce que pour quitter le ministère de Moïse et pour rentrer dans le ministère de Josué, il y a un temps qui les sépare, et ce temps-là est une structure. Voilà pourquoi, je crois qu'après cet enseignement, je vais dispenser l'enseignement sur les cinq lois du millénaire. Et la semaine prochaine, là-bas, je parlerai sur euh, les cinq clés de la prophétie pour enseigner comment développer, comment naviguer, comment voyager à travers les prophéties et de façon profonde. Donc quand je parle ici de la structure prophétique, ce sont l'un des clés pour l'étude de la prophétie que je suis en train de développer. Donc entre le temps où Moïse œuvre et le temps où la commission de Jésus entre en action, il y a une structure, il y a un temps prophétique. Et nous allons aller plus loin pour comprendre comment cela fonctionne. Mais avant cela, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Dans, dans, dans Jean chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 14, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Raison pour laquelle, dans la commission de Josué, on lui a dit que le livre de la loi ne se loin du point de ta bouche. Médite le jour et nuit, car c'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, le succès de Josué dépendait de l'héritage qu'il avait reçu de la part de son prédécesseur qui était Moïse. Ainsi, ici, dans la mission de l'Esprit, il dit que le Saint-Esprit, quand il vient, il glorifiera le Fils, il glorifiera le prédécesseur. Et le Saint-Esprit ne sera pas en contradiction avec le Seigneur Jésus-Christ, mais au contraire, le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Voyez-vous? Donc il fait la suite, il amène au loin ce que son prédécesseur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, avait annoncé. Et nous avons vu que euh, ce Saint-Esprit-là n'est qu'un autre, un autre office dans lequel Dieu lui-même est à l'œuvre en ces derniers jours. Et nous avons lu Abanam qui a authentifié cela. Et cet office se manifestera à travers un tabernacle que Dieu a sanctifié. Et Frère a été précis là-dessus, que Christ est mort à la croix, c'est pour sanctifier ce ministère-ci. Et ce ministère-ci, Frère l'appellera plus tard dans les âmes qui sont en prison, c'est la réincarnation du ministère de Jésus-Christ selon Jean 14, 12 ou Luc 17, et 30, qui sera la parole incarnée dans une chair humaine pour faire l'expiation authentique. Et nous avons ramené cela avec les lois en relation avec la purification de la lèpre mentionnée dans Lévitique 12 et Lévitique 14. Et nous avons vu par là que celle qui fait l'expiation n'est pas la colombe femelle, c'est bien sûr la colombe mâle. Et je vous ai promis qu'il y aura un rendez-vous là-dessus, un grand enseignement qui fera bien sûr suite au mystère de la transplantation parce que Noé lâchera effectivement la colombe pour aller faire l'exploration de la terre. Et cela, vous verrez que le message, ce n'est qu'un jeu de puzzle. Voilà pourquoi le Seigneur avait raison de dire au Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. Donc, s'il y a une première commission et il y a une seconde commission, c'est que par entre les deux commissions, il doit y avoir un espace prophétique, un temps bien déterminé. Et ce temps bien déterminé qui sépare le ministère de Moïse, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et le ministère de Josué, qui est celui de William Branham, est bien sûr de 2000 ans. Voilà comment la structure prophétique du type de Moïse et de Josué prend maintenant euh, place. Et ce, cet espace, temps prophétique qui sépare la commission de Moïse et de Josué, est de 40 ans. Voilà pourquoi j'ai dit que cet enseignement, en fait, n'est que la suite du cycle de revêt et de mort ou l'enseignement sur le choc des générations. Or, Moïse a reçu une visitation et il a séparé la mer rouge après avoir fait sortir le peuple du Jourdain. Dans le livre des Exodes et Frabanam et aussi les dictionnaires bibliques. Nous montre que l'étymologie du mot exode veut dire appelé à sortir hors d'eux, ou bien c'est le livre de la rédemption. Et Frobanam développe que la rédemption a deux volets il y a sortir hors d'eux et entrer dans. Et celui qui fait sortir hors d'eux, c'est la première commission avec le premier ministère, ou le ministère Alpha, qui est bien sûr Moïse, et celui qui fait entrer dans. C'est le ministère oméga qui est bien sûr la deuxième commission qui est Josué. Et l'espace de temps qui sépare les deux commissions est de 40 années et 40 années représente une génération. Or, le chiffre 40, c'est un chiffre très sacré dans la numérologie divine. Fabana me dit dans le signe de la sémence du temps de la fin, au paragraphe 129, il dit ceci que euh, Dieu est dans ses chiffres, on connaît Dieu par ses chiffres, car 3 c'est la perfection, 7 c'est l'adoration, 24 euh, c'est l'adoration, 40 c'est la tentation, 50 c'est la pentecôte. Et tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits, c'est dans la perfection. Donc voyez-vous que euh, lorsque nous nous focalisons sur le chiffre 40 ici, Frère dit que le chiffre 40, c'est un chiffre de, de, de la tentation, c'est un chiffre de formation, c'est un chiffre d'épreuve. Donc un homme mûrit à travers le chiffre 40. Je remercie le Seigneur parce que j'ai atteint aussi mes 40. <laughs> Et je sens en moi les énergies de la maturation. Je sens en moi la traversée des épreuves. Parce que c'est à 40 ans, c'est aussi la représentation d'une génération. Dans les saintes écritures, le nombre 40 correspond aux 40 jours de la durée du déluge au temps de Noé, selon Genèse chapitre 7, le verset 12. Il correspond aussi à Isaac qui se marie à Rebecca à l'âge de 40 ans. Genèse 25, le verset 20. Et ça, on se marie à ces deux femmes cananéennes à l'âge de 40 ans, dans Genèse 26, verset 34. Le chiffre 40 correspond aux 40 jours de la momification de Jacob en Égypte, dans Genèse 50, le verset 3. Le chiffre 40 correspond aux 40 jours et 40 nuits que Moïse passa sur la montagne afin de recevoir la loi des dieux, dans Exode 24, le verset 18. Il correspond aussi aux 40 jours d'exploration du pays par le pays de Canaan par les 12 espions, selon nombre 14 le verset 34. Le chiffre 40 correspond aux 40 années d'épreuves dans le désert et Josué chapitre 5 le verset 6 fait mention. Il correspond aussi aux 40 jours de défi entre Goliath et Israël, selon 1 Samuel 17 le verset 16. Il correspond effectivement à 40 années de règne de David et de Salomon parce que le temps d'un règne de roi Égal à 40 ans dans 2 Samuel chapitre 5 le verset 4 et 1 roi chapitre 11 le verset 42. Le chiffre 40 correspond aux 40 jours de la durée du péché de la maison de Judas dans Ézéchiel chapitre 4 le verset 6. Il correspond aussi aux 40 jours du sursis donné aux habitants de Ninive selon le livre de Jonas chapitre, Jonas, le chapitre, 4, le vers, le, Jonas, chapitre 3 le verset 4 le chiffre 40. Correspond aux 40 jours et 40 nuits du jeûne du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Matthieu 4, le verset 2. Il correspond aussi aux 40 jours de communion entre le Seigneur Jésus-Christ et les disciples. Acte, chapitre 1, le verset 3. Et enfin, le chiffre 40 correspond dans la Bible et dans les Saintes Écritures aux 40, 40 ans d'âge de ce boiteux guéri devant la porte appelée la Belle. Dans Acte, chapitre 4, le verset 22. Et je crois aussi que tu te les verras maintenant au nom du Seigneur Jésus Christ suivant le chiffre 40, afin que toi qui n'arrivais pas à marcher, que tu puisses marcher au nom du Seigneur Jésus Christ par le chiffre 40. Alors, quel est le lien entre le nombre 40 et le nombre de la tentation? Et quel est le lien avec le Seigneur Jésus Christ et la venue du Saint-Esprit en ce dernier jour? Raison pour laquelle j'ai parlé d'une structure prophétique qui s'insère entre Moïse et euh, Josué entre le Seigneur Jésus Christ et William Marion Branham. Donc, euh, notre mission ici dans cette émission, c'est de faire le lien entre les 40 jours qui ont séparé la commission de Moïse et cette, celle de Josué et de façon exacte avec les nombres que cela puisse ajuster avec la manifestation du ministère Oméga qui est le Seigneur Jésus Christ à l'Est et, la, manif et pardon, euh, le, la manifestation du ministère Alpha, qui est le Seigneur Jésus-Christ à l'Est, et la manifestation du ministère Oméga qui est le ministère de Jésus-Christ à l'Ouest à travers William Marion Branham. Et pour répondre à cela, c'est que le lien réside dans le mystère du rétranchement d'Israël et l'insertion des peuples des gens. Et dans le message, Monsieur, quelle heure est-il Ou Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin La page 100 la page 31 et le paragraphe 168 fra est en train de développer le concept de ce que c'est un mystère après il commence à citer les plus grands mystères que le septième ange est censé révéler il dit le premier mystère est le mystère du royaume de cieux dans Matthieu 13 et le verset 3 à 15 le second mystère est le mystère de l'aveuglement d'israël pendant ce tâche selon romain 11 et le verset 25 avec tout le contexte le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de ce tâche, selon 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 17. Et le quatrième mystère est celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des gentils, des Juifs et des gentils, selon Éphésiens 3, le verset 1 à 11, Romains 16, le verset 25 et aussi Ephésiens chapitre 6 le verset 16, et enfin Colossiens chapitre 4, le verset 3. Alors, nous allons nous apaisanter sur le mystère de l'aveuglement d'Israël, selon Romains chapitre 11, le verset 25, qui est bien sûr le second mystère. Alors, suivez attentivement, parce que le premier mystère, qui est Matthieu 13, parle ici des sept paraboles qui sont inclus. Et les sept paraboles sont en rapport avec les sept âges de l'Église. Matthieu 13 est en rapport avec Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, qui parle bien sûr des âges de l'Église ou la plénitude des gentils, qui est l'ère spirituelle pendant laquelle Dieu est en train d'œuvrer parmi les nations, cherchant à sortir du milieu des nations un peuple qui doit porter son nom. Et parallèlement à cette période où Dieu est en train de traiter avec les nations, c'est que de l'autre côté, Dieu aussi, selon Romains chapitre 11, le verset 25, et tout son contexte, c'est que Dieu a tourné le regard sur l'olivier franc, qui est l'olivier naturel, qui est Israël, parce que Dieu ne peut pas traiter au même moment avec Israël, il traite aussi au même moment avec le peuple des nations. Raison pour laquelle Paul dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dans la traduction d'Arbi, il est parlé de la plénitude des gentils. Et dans les âges de l'Église, la page 68, Frère Benham a dit que, donc, dans tous les âges de l'Église, Dieu traite avec des gens des nations et il fait sortir pour lui même une épouse des nations. Par conséquent, les sept âges de l'Église, les, les âges de l'Église et la plénitude des nations sont une seule et même chose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous parlons de la plénitude des gentils et les âges de l'Église, c'est la même chose. Donc, Romains chapitre 11, le verset 25 qui fait allusion de la plénitude des gentils, et les lettres prophétiques, ou les sept lettres prophétiques adressées ou envoyées par Jean dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, allant d'Éphèse jusqu'à l'église de la Odyssée, ça parle du même temps prophétique. Et ceci, Jésus-Christ avait déjà en entrevu cela à travers les sept paraboles mentionnées dans Matthieu 13, qui traitent le mystère. Du royaume des cieux. Raison pour laquelle là où réside le mystère ici, c'est d'une part nous avons l'endurcissement d'Israël ou l'aveuglement du peuple de l'alliance qui est Israël et d'autre part nous avions l'insertion ou le greffage de l'olivier sauvage sur l'olivier naturel. Dans Romains chapitre 11, verset 17 à 18, Paul développe son sujet, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais l'olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux deux ponts de, de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Si tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier front, à plus forte raison. Eux seront-ils hantés selon leur nature à leur propre olivier. Or, le retranchement d'Israël et l'insertion des nations est un mystère qui était déjà entrevu à travers deux ombres de l'Ancien Testament. Premier homme, nous avons la marche d'Israël dans le désert selon nombre 14, 33 jusqu'à 34, où toute cette génération qui sortit de l'Égypte devait tomber dans le désert et Dieu avait dit que de même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous paierez la peine de vos iniquités pendant 40 années, un jour pour une année. Et vous saurez ce que c'est être privé de ma présence et de ma gloire. Et donc, le retranchement d'Israël dans le désert s'est fait suivant le chiffre 40. Voilà pourquoi Frère Branham nous a montré que le chiffre 40 est un chiffre dans la numérologie qui parle de la tentation, qui parle d'autre part de la formation, qui parle de l'épreuve. Donc, Israël a été éprouvé. Dans le désert pendant 40 années à cause de l'exploration de la terre de Canaan qui avait duré 40 jours. Et c'est là où Dieu insère un principe selon lequel une année égale à un jour ou un jour égale à une année qui va se retrouver plus tard dans le livre de Daniel, chapitre 9, à travers les 70 so -so sabbats que nous appelons bien sûr les 70 so -so semaines de Daniel. Alors, cette insertion sera perçue par le grand apôtre Paul comme étant le mystère de Dieu qu'il appellera plus tard le mystère de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois de juifs et des gentils. Et Frabanam, dans son développement à travers la liste des mystères, premièrement, il cite le mystère. Du royaume des cieux, deuxièmement, le mystère de l'aveuglement d'Israël, troisièmement, le mystère de la translation des saints, quatrièmement, le mystère de l'église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé des juifs et des nations. Et ce sont ces choses-là qui créent de l'embrouillement parmi les croyants du message aujourd'hui. Le fait que Frère me parle avec un rabbin. On pense que ça, ce sont les 144 000. Voyez-vous, on ne comprend pas qu'il y a certaines choses qui sont des mystères. Frère -Banam dit que quand un juif croit le Seigneur Jésus-Christ parmi les nations, il fait partie de l'épouse de Christ dans la même catégorie que la première église était plus constituée des juifs, parce que les Pierre, les paul les porteurs du flambeau, au premier siècle, l'église apostolique, c'était plus les Hébreux, jusqu'à ce que les juifs ont fini par léguer. Le flambeau aux hommes des nations, et ainsi les âges de l'Église ont pris leur cours. Et ce mystère, Paul le mentionne ici dans Ephésiens chapitre 3, le verset 6, il dit Ce mystère, c'est que le païen, son cohéritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, il y a les païens. Qui forment le même corps, qui participent à la même promesse avec le juif à travers l'évangile. Ainsi, ce type qui retranche Israël se trouve dans les 40 jours prophétiques qui part de l'exploration et plus tard, ces 40 années de retranchement dans le désert. Est représenté comme la durée pendant laquelle la génération qui est sortie dans le désert finisse par tomber. C'est la raison pour laquelle ce rétranchement, Israël qui pêche, Israël qui tente dix fois Dieu dans le désert, n'était qu'un prélude ou une image de l'endurcissement du peuple de l'alliance lorsque ils vont se sédentariser parce que le Seigneur à travers Moïse avait dit selon Deutéronome je crois chapitre 18 il avait annoncé que l'Éternel Dieu lui-même suscitera se du milieu de tes frères un prophète comme moi et vous l'écouterez et ce prophète était bien sûr le Seigneur Jésus-Christ et quand Jésus-Christ est venu de la même manière que Israël avait résisté à Moïse dans le désert et à travers le chiffre 40 ils ont été punis ils ont été retranchés et quand le successeur, ou disons que euh, le législateur, le nouveau législateur que Moïse avait annoncé est venu, ce même peuple-là a résisté de la même manière que leur père avait résisté. Raison pour laquelle dans la mission divine et sur la sermon, le serment sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 22, là où le Seigneur Jésus-Christ commence à montrer, faire un parallélisme que Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, il vous avait été écrit. Et moi, je vous dis, voyez-vous que là, sur la montagne, de la même manière que Moïse avait reçu la loi, le Seigneur sur la montagne commence à enseigner les béatitudes. Et dans Jean chapitre 5, il commence à leur montrer la preuve que leur père avait mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts et que lui, il était le pain de vie qui est descendu du ciel. Parce que c'est ce pain de vie qui donne la vie. Et plus tard, dans Luc chapitre 4, le Seigneur assumant les responsabilités comme étant le souverain sacrificateur, il rentre dans la synagogue, il prend le rouleau, il lit Esaïe chapitre 61, le verset 1 jusqu'au verset 2, annonçant ainsi, comme autrefois le sacrificateur selon Lévitique chapitre 25, qui annonçait l'année de grâce ou l'année de jubilé, Jésus-Christ se tient là, en train de publier une année de grâce. Alors que c'était le seul moyen pour Israël de reconnaître leur visitation. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ont-ils euh, saisi cette occasion Ont-ils saisi cette opportunité qui leur fut donnée Et comme leur père qui avait résisté Dieu dans le désert au temps de Moïse, ils ont fini par désister. Ils ont fini par résister. Ils ont fini par s'opposer à Dieu. Alors que fait Dieu Selon Luc chapitre Matthieu chapitre 21 le verset 33 jusqu'au verset 46 à travers la parabole des vignerons le Seigneur dit que le maître d'une vigne avait chargé sa, sa vigne à des vignerons mais au temps de la moisson il a envoyé des serviteurs afin de donner des fruits de la vigne et que font les vignerons ils le, menaces, ils les injurient, ils font tout ce qui est mal aux vignerons. Ils envoient encore plus de serviteurs et ces vignerons se comportent de la même manière. Alors, le maître de la vigne dit cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Certainement en mon fils, ils auront égard au fils. Et dès que le fils fut envoyé, ces gens se sont dit, bon, voici le fils est arrivé, on va prendre le fils, on va le tuer, on va le jeter dehors afin que nous puissions nous accaparer de l'héritage. Et quand le Fils vint, ils tuèrent le Fils. Et Jésus pose la question aux Juifs, que fera le maître de la vigne à ses vignerons Et les Juifs répondirent, il punira misérablement ses misérables. Alors Jésus leur rétorque et dit, c'est ainsi que la pierre qu'a rejeté ceux qui bâtissaient dans le temple est devenue la principale de l'angle. Il leur dit, alors le royaume vous sera ôté et donné à une nation qui emportera, donnera les fruits. Et voyez-vous que ça, ce sont des questions assez primordiales, assez importantes, que nous devions étudier parce que, ici, selon Matthieu chapitre 21, il parle. Du royaume qui est ôté à Israël parce que il les a envoyés, les serviteurs qui étaient des prophètes, et ils tuaient des prophètes. Et dans Matthieu, je crois, euh, 23, le Seigneur leur parlera qu'ils sont des tueurs des prophètes. Mais c'est les mêmes qui tuent les prophètes qui finissent par blanchir les tombes des prophètes. Donc, ils ont tué les prophètes jusqu'à ce que Dieu a envoyé son Fils. Mais ils ont été plus malhonnêtes envers le Fils. Ils l'ont cloué à la croix. Et par la mort à la croix, le royaume. Parce que tout ce qui restait à Israël, c'était le royaume. Et ce royaume-là était un royaume spirituel. Et je vais expliquer. Lorsque Dieu a pris Israël, Dieu n'avait pas voulu que Israël soit une puissante armée. Dieu a pris Israël pour faire d'Israël un royaume de sacrificateurs. Donc, ils ont reçu la mission de la sacrificature depuis le mont Horeb, depuis la promulgation de la loi. Et voilà pourquoi Dieu régnait au milieu d'eux en tant que roi à travers ce qu'on appelle la théocratie ou le règne prophétique. Jusqu'à ce qu'ils commirent l'erreur pour dire que nous voulons un roi. Et Samuel dit... Mais Dieu est votre roi. Il dit non, nous voulons être comme des nations. C'était l'erreur la plus grave parce que quand Dieu a choisi Israël, il a voulu que Israël soit l'intercesseur des nations de la terre. Et dans Deutéronome chapitre 32, la Bible dit que quand Dieu établissait les limites des nations de la terre, c'est suivant les douze enfants de Jacob. Voilà pourquoi Dieu institue les fêtes et dans les fêtes. La dernière fête, qui est la septième fête, bien sûr, la fête de Yam Kippur, on offrait 70 sacrifices. Et ces 70 sacrifices étaient en rapport avec l'expiation des nations. Parce que les nations de la terre, selon Genèse 9, ils sont au nombre de 70. Et dans les émissions précédentes, j'avais développé effectivement l'importance du chiffre 70 à travers le repeuplement de la terre. Donc Israël avait la mission d'offrir les 70 sacrifices pour faire expiation de l'humanité. Et c'est la présence d'Israël aussi longtemps qu'ils étaient canalisés dans la voix du Seigneur qui arrêtait les jugements de s'abattre sur la terre parce que ils incarnaient la bénédiction en ce temps-là des nations. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce que c'est les alliances ce que sont les dispensations. Aujourd'hui, je vois des pasteurs qui prêchent encore que la terre, celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit. C'est comme s'ils pensent que la terre aujourd'hui est bénie par Israël naturel, alors que le flambeau, la grâce, a quitté Israël naturel et est revenu à Israël prophétique ou Israël spirituel. Mais c'est pour attirer votre attention ici, ici dans Matthieu chapitre 21, le verset 30, 31 jusqu'au verset 33 jusqu'au verset 46. Il n'est pas parlé que le royaume sera ôté et donné aux nations. C'est une nation. Donc il y a une différence entre la nation qui portera le fruit du royaume et les nations au travers duquel Dieu fera sortir un peuple. Ce sont deux concepts différent que généralement dans les enseignements des prédicateurs tout est confondu comme ça dans un fouillis voilà pourquoi on a des problèmes de repères aujourd'hui et à selon Luc chapitre 21 la bible dit qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis Raison pour laquelle la croix marque une transition entre l'alliance que Israël avait contactée avec Dieu sur le Sinaï et l'introduction de la nouvelle alliance dont les païens sont les principaux bénéficiaires. Raison pour laquelle les apôtres qui avaient saisi cela ont fini par comprendre que selon le livre des actes à la conférence de Jérusalem, que Dieu a tourné les regards vers les nations pour essayer ou est en train de choisir, sortir du milieu des nations, un peuple qui doit porter son nom. Et ce peuple qui doit porter le nom de Dieu, qui sort parmi les nations, est différent de la nation dont il est promis dans Matthieu chapitre 21. Bref, il y a cet espace de temps prophétique qui va de la commission de Moïse à celui de Josué. Et prophétiquement parlant, il y a un temps qui est réservé à 40 années, ils sont des années prophétiques et Jésus-Christ qui est le nouveau législateur que Moïse avait promis, rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau, selon Esaïe 61, il s'arrête à la publication des années de grâce. Frère Anam quand il enseigne les enseignements comme aujourd'hui cette écriture est accomplie, il fait vibrer cette partie de la prophétie, il dit que Jésus-Christ s'est arrêté au niveau de la proclamation des années de grâce. Il n'a pas touché l'introduction au jour de vengeance parce que, effectivement, il y a un espace prophétique qui devait séparer l'introduction des années de grâce à la publication du jugement. Et cet espace de temps, Fabana m'a dit, égal à 2000 ans. Voilà pourquoi je vous annonce que quand Jésus introduit l'année de grâce, Fabana définit que l'année de grâce est introduite suivant le chiffre 50. Or, pour que nous puissions tomber à l'espace de 2000 ans pour séparer la commission de Moïse à celui de Josué, pour séparer la manifestation du ministère Alpha avec Jésus de Galilée, pour tomber dans le ministère oméga, il y a un espace de temps de 40 ans. Et ces 40 ans-là sont des 40 jubilés, donc allant de l'introduction, de l'année de grâce introduite en l'an 30 par le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prenons le chiffre 40 fois le jubilé qui est 50, ça nous donne effectivement 2000. Ans. Donc si Israël a été retranché dans le désert par le chiffre 40, le rejet du nouveau législateur qui est Jésus Christ, quand ils l'ont fait à la croix, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont rejeté la visitation d'un jubilé. Et Dieu les prive de 40 jubilés. Voilà pourquoi j'ai pris 40 jubilés, 40 fois 50, qui nous donnent un espace prophétique de 2000 ans. Et ces 2000 ans-là, pour les lecteurs, je vous renvoie dans Ecclésias chapitre 6, le verset 6. Il est parlé là d'un temps de privation de bonheur qui s'étale à deux fois mille ans et deux fois mille ans donne effectivement deux mille ans. C'est ce que l'apôtre Pierre développera que devant le Seigneur un jour égale à mille ans ou mille ans égale à un jour. C'est ainsi le chiffre 40 qui est un chiffre de retranchement suivant le type que nous avions pris qui est Moïse à Josué qui est la première commission, à la deuxième commission. Dans l'Ancien Testament, c'était les 40 jours ou 40 années. Mais lorsque nous venons dans la portée prophétique pour séparer la manifestation de Jésus-Christ, qui est notre Moïse dans le type, et pour introduire la seconde commission, qui est la commission de Jésus avec William Branham, nous avons pris les 40 jours ou les 40 années ou le chiffre 40. Qui est un chiffre pendant lequel le mystère de l'endurcissement ou du retranchement d'Israël rentre en vigueur. Alors, ces 40 jours ou 40 années du retranchement dans les déserts, ou ce chiffre 40, en fait, c'est la privation des 40 jubilés. Donc cet espace de temps pendant lequel Israël ont été privés, chassés, hors de leur pays, qui correspond à 2000 ans, ces 2000 ans-là ne sont autres que... 40 jubilés. Et voilà pourquoi je suis revenu pour vous dire ces 40 jubilés est la période prophétique qui sépare la commission de Jésus Christ et la commission de William Branham, qui est bien sûr notre Josué. Je reviendrai dans l'émission suivante pour vous montrer comment, si par Romains chapitre 11, le verset 25, parle du retranchement d'Israël, et lorsque Israël est retranché suivant le chiffre 40. Il y a les nations qui sont aussi insérées comme l'olivier sauvage qui vient être greffé sur l'olivier franc suivant aussi le chiffre 40. Et nous ressortirons le chiffre 40 à travers la conversion ou le répentir du signe de Jonas. Et pourquoi Jonas sera le signe particulier de la repentance des nations Parce que nous démontrerons aussi que le premier symbole du christianisme n'a jamais été la croix, mais bien sûr, ça a été le poisson. Raison pour laquelle je crois que Dieu va vous aider pour que vous puissiez comprendre en quel temps nous vivons et pourquoi nous sommes dans le signe de Jonas présentement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement à travers l'écoute de ses paroles de la prophétie. Merci.